Allez, salut la team. J'étais parti pour vous tourner un camping qu'on avait fait il y a 2 ans. Enfin, une histoire particulière parce que on avait fait intervenir les pompiers et la gendarmerie car ils avaient séquestré un SDF dans cette maison-là, qui à l'époque cette maison était totalement fermée. Et on avait dû faire intervenir en urgence parce qu'ils avaient foutu le feu de partout. Et je me suis dit, je vais revenir dans ce camping pour vous tourner ce camping pour vous montrer un peu. Et au final, voilà sur quoi je tombe. Tout est cassé, brûlé de partout. Donc à l'instant que je suis en train de vous parler, je suis en train de me demander est-ce que je retourne quand même cette vidéo ou je laisse tomber, je passe à autre chose. Et ils n'auront peut-être pas de vidéo cette semaine, que vous donnez un truc non plus. Bon, c'est un peu compliqué, j'ai un peu du mal à prendre ma décision pour vous dire vrai. Ouais, voilà l'état, franchement, je trouve que tous les bâtiments sont dans le même état, malheureusement. Donc peut-être en fouillant un peu, je vais peut-être arriver à trouver des bricoles. Écoutez, je vais essayer de tourner, et après je verrai si je prends la décision ou pas de vous la sortir. Ça dépendra vraiment de l'état vraiment des bâtiments. C'est vraiment très dommage parce que cette maison, elle était vraiment toute fermée, toute bien, elle était pleine, il y avait plein de trucs dedans. Mais bon, je vais essayer de vous faire un petit film quand même et on va voir ce que ça donne. Donc, comme on peut voir là, vous voyez, c'était tout... je pense que ça devait être le côté un peu restaurant, je pense, de l'époque. On voit encore qu'on peut apercevoir quelques cuisines au fond. Alors, est-ce que m'y aventurer, ça vaut le coup? Parce que c'est quand même vraiment... c'est très dangereux, c'est dans un état vraiment... La dégradation humaine, vous voyez, voilà. En un an et demi, hein, c'est en l'espace de 18 mois, voilà ce que un spot qui était fermé, qui était propre, ah, voilà ce qu'il est devenu, vous voyez. La preuve, on est arrivé encore sur le chemin, on avait encore des jeunes qui étaient là, en train de faire les cons, vous voyez, donc... Mais bon. Donc voilà, je vais essayer de vous en filmer le maximum que je peux, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à voir, vous voyez. Tout a été cassé, ils ont tout foutu ici, là, de partout, on le voit bien. Ici, en bas. Donc voilà, je vais essayer de voir, parce qu'il y a quand même quelques engins, quelques caravanes et tout. On avait plein de voitures, je voulais à tout prix vous faire un joli truc sur ces voitures-là, mais tout a été enlevé, tout a été retiré. Donc voilà, il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Pour cette vidéo-là, je serai accompagné de Tony, je suis accompagné de ma femme qui est là-bas, qui est en train de faire ses shorts. Et vu qu'on est en pleine nature et tout, j'ai aussi décidé d'emmener un peu mes deux chiens pour qu'ils puissent aussi un peu prendre l'air et participer avec nous à l'urbex qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez, donc c'est beaucoup de bâtiments vraiment très délabrés. Hein. Tout a été brûlé, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. On va quand même y passer pour voir, sait-on jamais. On va quand même rester sur ses gardes parce que, vous voyez, l'état, c'est vraiment extrêmement dangereux. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien à voir, quoi, vraiment. Je ne vais même pas aller plus loin parce que tout a brûlé, a cramé. On sent la suie. L'odeur est vraiment très très forte. Vous voyez, le toit, là, il est en train de se casser la gueule. C'est... Je suis un peu attristé parce que c'est... On a quand même une histoire sur ce lieu, pour vous dire vrai. Et on a quand même sauvé ce SDF, là, qui était malheureusement vraiment pris dans les flammes. Mais apparemment, tout le reste a continué de brûler. Allez, regardez, on voit bien là quand même, niveau du plafond. Donc, je vais essayer de vous filmer vraiment les choses qui sont très très intéressantes. Sinon, le reste, voilà. Je vous ferai juste des petits plans vite fait là, des bâtiments, mais sans plus quoi. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour cette exploration, je vais essayer de passer là derrière. Je suis accompagné de ma femme. Salut. Qui malheureusement s'est blessée, mais elle est quand même ici. Voilà, et j'ai pris mes deux petits chiens avec nous. Comme c'est un endroit où on sait qu'on pouvait les emmener. Mais voilà, donc il n'y a vraiment pas grand-chose, vous voyez. C'est vraiment tous les bâtiments. Tout a brûlé, donc je ne vais pas m'amuser à y courir. Non, mais je ne vais pas m'aventurer trop. On va vraiment leur faire un truc principal. Voilà, mais on tenait à le faire parce que c'est quand même un lieu qui nous tient à cœur. Parce que voilà, je vous ai dit avec l'histoire avec ce monsieur. Et en fait, ce monsieur habitait dans cette maison-là. Qui à l'époque était vraiment toute fermée, comme je vous ai dit. Et en fait, nous on est arrivé par là, je vais vous montrer. Nous on est arrivé par là-bas. Et en fait, on a vu qu'il y avait une grosse fumée épaisse. Et on est mis en courant. Il y avait des jeunes qui avaient séquestré le monsieur ici, qui avaient foutu le feu un peu de partout. Les pompiers ont dû venir. La gendarmerie a dû intervenir.
pourquoi on était là. Mais d'un côté, j'ai envie de dire heureusement qu'on était là. Alors ça, je sais pas, peut-être un ancien four, je pense, hein, clairement. Ça doit être un ancien four. Voilà, bon écoutez, je vais essayer de fouiller un peu, voir ce que je peux, essayer de vous faire de sympathique. Et à ce moment-là, je vous reprends. À là de suite. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait. Nous, à l'époque, on arrivait par là. Et le départ de feu, en fait, il s'est fait à ce niveau-là. Vous voyez, voilà. C'est ici que le départ de feu s'est fait. Et en fait, quand ils ont allumé le feu, ils l'ont allumé dans la maison. On le voit très bien, hein, là-bas au fond. Je sais pas si vous allez le voir sur ma cam. Bon, c'est cramé, je vais pas y aller parce qu'il n'y a rien à y, y a plus rien à y voir, quoi. Et la piscine, il y a encore de l'eau et tout dedans, vous voyez. Et il n'y a plus rien, quoi. Voilà, tout a... Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que le petit chalet était vraiment très beau à l'époque. Et vous voyez qu'en quoi, qu'en 18 mois, tout peut chavirer en 2-2, quoi. Tout ça parce que des petits cons s'amusent à des séquestrer des SDF. Ils foutent le feu. Je sais pas s'ils se rendent compte vraiment de la gravité de ce qu'ils ont fait. Mais bon. Allez, je vais essayer de fouiller un peu et je vous ferai des petits passages au fur et à mesure. Si on arrive encore à trouver des trucs sympas. Sinon la vidéo elle servira juste à nous pour vous raconter ces petites histoires et pourquoi ce lieu nous tenait à cœur. Donc voilà voilà, allez à de suite. Donc ici on a une deuxième partie. Bon pareil, hein, je ne vais pas y aller, hein, y a vraiment un à y voir. Et en fait ici à l'époque, c'était pour ça que j'étais revenu, on avait des voitures. On avait. Ici. On avait. À l'époque, il y avait des voitures qui étaient là, qui étaient posées un peu de partout ici. On peut encore peut-être retrouver, vous voyez, on voit encore des pneus, des sièges de voitures. Et je voulais vous faire une scène sur ces voitures-là parce que c'était un peu apocalyptique. C'était vraiment très sympa. Mais bon, malheureusement, ils ont tout retiré. Hein. Donc voilà. Donc il n'y a vraiment rien à voir là. La maison, elle est totalement cramée. Hein, donc je ne vais pas m'amuser à rentrer dedans. Nous, on continue à fouiller. Je vous reprends après. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là c'était la réception. Même ici, tout a brûlé. Vous voyez, la bêtise humaine quand même. À quel point. Voilà, excusez-moi, je vais laisser passer la moto. Vous voyez, regardez, important. Voilà, là il y avait les machines à laver. Hein. On le voit clairement. À l'époque. Donc ça devait être un peu l'accueil où on pouvait laver notre linge et tout. Et tout a brûlé. C'est vraiment très triste. Il n'y a vraiment plus rien. Je comprends même pas pourquoi ils ne détruisent pas en fait ces bâtiments, ils ne rachètent pas. Voilà. Dommage. Dommage, dommage. J'avais vraiment prévu de vous faire quelque chose de vraiment très sympa. C'est vraiment très triste. Je vais quand même vous montrer le bâtiment quand même de l'extérieur parce qu'il est quand même sympa. Vous voyez là, on a la route qui est juste là. Vraiment au bord de la route. Donc l'entrée se faisait ici, hein, clairement. Et voilà, le bâtiment, il était là. Donc réception, je pense qu'ici, c'était le côté un peu accueil avec les machines à laver et tout derrière. Et après, on va aller faire un tour. Il y a beaucoup, bon, regardez, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Hein. Il y a beaucoup de d'emplacements aussi, mais bon, il n'y a rien d'intéressant, c'est un peu vide. Je vais quand même essayer de rentrer vite fait. Pour vous montrer, mais voilà, on va pas prendre de risque pour rien, vous voyez, dans l'état que c'est. Tout a brûlé. Voilà, donc il n'y a vraiment plus rien à y faire, quoi. Bon, c'est pas grand, c'est pas hyper intéressant non plus. Mais voilà le point de vue d'ici. Là, on mettait les journaux, les verres. On retrouve encore, ici, là, on avait les premiers emplacements. Donc ça, je dirais plutôt des emplacements tentes, je pense. Et là derrière, je disais plutôt des emplacements pour les caravanes, les camping-cars ou quoi. Et vous voyez, on trouve encore les compteurs juste ici pour enclencher l'électricité, pour avoir la lumière sur notre emplacement. Voilà. Donc, on voit que c'est vieux, hein. Je ne sais pas si encore ça existe ça. Bon, c'est très vieux, on a encore les numéros d'emplacement, bien vu. On a encore les numéros d'emplacement par terre, vous voyez. Emplacement numéro 1, emplacement numéro 2. On a fait des campings beaucoup mieux quand même, hein, mais voilà. Alors là, on essaye de s'imaginer, je pense qu'on est dans la partie restauration, j'imagine. Vous voyez, ils n'ont rien épargné.
Ils ont foutu le feu à tous les bâtiments. Ils ont vraiment rien épargné. C'est incroyable. Honnêtement, limite, j'ai envie de vous dire, je suis choqué, quoi. Ils ont laissé vraiment aucun répit au lieu. Ils ont cramé comme pas possible. Là, je vois qu'on a des escaliers. Par contre, cette porte est très sympathique. J'aime beaucoup. Bon, là, on a des escaliers qui nous mènent dans rien du tout, dans du vide encore. Là-dessous, je vais pas m'y aventurer. Oh, par contre, c'est incroyable. Vous allez voir. Tout le sous-sol est inondé. C'est un truc de fou. Ah ouais, j'aurais peut-être pas d'accès au final. Non, j'aurais pas d'accès. Vous allez voir. Alors, même si on aurait voulu y aller, on n'aurait même pas pu y aller. Parce que si vous regardez bien, regardez ça, c'est incroyable. Il y a de l'eau. Tout le sous-sol en fait est inondé. Donc les fondations sont vraiment mortes. Totalement mortes. Ah si, peut-être un passage. Vous voyez, on a encore des trucs de camping là. On pouvait mettre le courant. Je vais essayer de passer par là. Je vais essayer de vous montrer. Oui, je peux. Alors, hop, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment. Voilà, je peux pas descendre là-dedans. Hein. C'est tout inondé, quoi. Tout le sous-sol est inondé. Après, l'architecture est jolie ici, quand même. J'aime beaucoup. Donc. Ah bah, je me suis embêté à descendre par la fenêtre, qu'en fait, tout simplement, bah, il y avait la porte. Voilà, donc on va pas s'attarder. Je pense qu'ici, il devait y avoir une sorte de petit jardin où on pouvait manger. Moi, je pense clairement c'était un restaurant. Ouais, clairement. On essaye de vous faire quelque chose, malgré que le lieu est totalement mort. On essaye quand même de vous tourner ça, l'histoire. Ouais, voilà, il n'y a rien de grandiose, hein, donc... On a une belle petite ancienne balançoire qu'on va aller voir. Donc ici, on a les restes d'une balançoire. Elle n'existe plus malheureusement. Ça devait être quand même un petit camping sympathique, hein, je pense. Alors bien sûr, vous imaginez bien que je ne vais pas vous dire la ville où on est, donc je ne pourrais pas vous dire... Pourquoi ce camping est dans cet état là maintenant? Parce que juste simplement avec sur Google vous allez trouver le système directement. Fais gaffe, ça pique. Hop. C'est pas sympa, là c'est en plein hiver, on voit encore ces petites fleurs rouges là. Désolé. Ici on avait, alors on dirait peut-être qu'il y avait des bestioles, une sorte de petit poulailler ou des lapins. Pigeonnier peut-être aussi, oui. Okay. Je vais vous montrer un dernier petit truc avant que nous on reparte. Sinon on va vraiment partir. Hop. Ça c'est extrêmement dangereux par contre. Et on retrouve encore des pneus de véhicule ici. Regardez-moi ça. Franchement l'humain, il est. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Un truc qui me dérange énormément. Allez, je vous reprends un peu plus loin. Donc là on avait tout l'emplacement, tous les emplacements qui étaient ici. Et sur certains emplacements, bon nous quand on était venus c'était un peu mieux quand même. Mais là c'est vraiment dans un état. On a des restes, on va pas dire des caravanes. C'est-à-dire qu'on a des restes de caravanes. Vous voyez, je vais essayer de m'y aventurer sans qu'on se blesse. Vous voyez, alors, il reste vraiment plus rien. Alors celle-là, ça on peut dire c'est un reste de caravane par exemple. Et on a de quoi il reste une autre caravane là. Ou peut-être apercevoir. Ouais, si on peut apercevoir un peu de mobilier qu'il y avait dedans. Vous voyez. Une belle caravane quand même, elle était grande. Hein. Là on voit, on a encore un poêle là-bas. On avait le côté banquette, ce qui devait peut-être servir même de lit. Vous voyez, peut-être ici aussi, là, il devait y avoir la cuisine. On a. Faut vraiment essayer de se projeter, d'imaginer. Vous voyez, on a encore les restes de porte ici. Voilà, c'est vraiment une cata. Dans celle-là, on peut imaginer qu'il y avait la salle de bain. Là, si on voit le petit placard de salle de bain, vous voyez. Celle-là était plus petite déjà. Peut-être même elle a été arrachée, je ne sais pas. Donc voilà. On va
Continuons, on va aller un peu plus loin en cas où, mais je pense que là on a tout fait, hein, je crois. Hein. On a encore un bâtiment derrière, on va aller voir quand même. On va quand même aller voir ce que ça donne au cas où. Je crois que c'est des toilettes et des lavabos, je crois. Bon, on va aller voir si c'est un peu mieux dans l'état. Je vous promets rien, mais on va essayer d'aller voir. Et on vous reprend. Donc voilà, hein, là on est sorti là où il y a juste les caravanes qui sont juste derrière moi. Et là on avait un bâtiment qui est juste ici, qui servait de toilette. Ça coûte rien d'aller jeter un coup d'œil, hein, de toute façon, hein, mais. Voilà, il n'y a vraiment plus rien, quoi. Tout a été fracassé, vous voyez. Ouais, voilà, bon. Voilà ce qui reste des toilettes, hein. Clairement, il n'y a plus rien. Des capotes, il y a des gens qui sont venus faire des trucs ici, franchement, on va avoir envie. Quoi. Faut vraiment avoir envie. WC, sans l'avait deviné. Il reste quand même, non, bon, il reste rien, mais il reste quand même un toilette. Bravo. Celui-là, ils n'ont pas défoncé. Donc voilà. Hein. Je pense que nous, on va terminer cette vidéo là-dessus. Ah oh mais je suis, on a encore les évies, dis donc. Quand même. Peut-être que là on a une toilette. Non, une étagère. Avec le placard technique, je pense. On avait les trucs incendie là. Oui, ils expliquaient. Tout marqué ici. Bon, bah la team, nous on va terminer ici. Ça sera pas une grande vidéo, c'est sûr. Mais voilà, ce lieu nous tenait vraiment à cœur, donc c'est pour ça, avec l'histoire de ce SDF là. Bon, je vous rassure, il n'est pas décédé, hein, les gendarmes sont arrivés à temps. Heureusement. Et on n'est pas arrivé à attraper les minous, malheureusement, ce jour-là. Mais voilà, il y a 18 mois de ça, exactement. Ouais. Et bah voilà, dans l'état que c'est, que la maison était complète, qu'il y avait encore la caravane qui tenait encore sur les roues. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également nous suivre, bah, vous le savez maintenant, hein, TikTok, Facebook, Instagram. Et bah nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt.